Mardi 2 juillet 2024, M. Jean-Philippe Cap salue nous depuis la capitale fédérale américaine en Washington DC et Cap remercie nous le fait que nous toujours branchés sur la voie de l'Amérique, mais principal point Cap domine l'actualité. Quelques grands points Cap domine l'actualité, le président Joe Biden critique les décisions que le super États-Unis en prend pour protéger le président américain contre poursuite légale, contre action qu'il a posée pendant qu'il était sous pouvoir. Ouagan Beryl, qui tourne en catégorie 5, prend direction Jamaïque après avoir frappé Saint-Vincent avec la grenade. Et puis en Haïti, la police a annoncé qu'il prend contrôle. Un commissariat nèg armé a été occupé pendant le week-end dans tout le capital là, Port-au-Prince. Oui, ça c'est quelques points à développer pour le journal là jeudi. Eh bien, pour nous commencer, on a commencé d'abord avec des désastres naturels. Eh bien, ouagan Beryl qui est en catégorie 5, eh bien, il prend direction Jamaïque après des fins causées en pile dégâts dans deux îles, tant qu'on a Saint-Vincent avec la grenade Valley au Saint-Louis, depuis New York. Cyclone Beryl te vin tourner une tempête tropicale catégorie 5 dans la nuit hier lundi après que l'été passé sous plusieurs îles dans sud-est Caraïbes là. Il te vin à gros la pluie et puis gros vent qui fait en pile dégâts. Dans moment Beryl c'est première tempête tropicale catégorie 5 dans Atlantique là d'après rapport météorologie. Il te vin développer sous forme un cyclone qui potentiellement catastrophique. Avec vent cap soufflé à une vitesse maximum de 260 km par heure. Centre national cyclone américain te dit bien bonne dans journée que Zile Kariakoua, qui se youn nan parmi Zile Grenadinho, te prend gros frappe direct avec Zile cyclone nan, qui se parti qui très dangereux dans tempête là, à gros vent qui pas de camper. Selon ça, Centre national cyclone américain te dit, Zile qui tout près, tant que Saint-Vincent Grenadinho, te fait expérience tout beaucoup de payo, de gros vent tête chargée, avec vague l'an tempête là qui menaçait la vie mounio sous Zile. D'après Centre national cyclone américain. Zile Saint-George à Grenadinho t'est frappé à gros l'appui à gros rafale vent qui rachait plusieurs pieds bois. Pendant que vitesse vent était baissée dans pays Barbade, résidents ont fait sondage sous dommage. La rio était couvert avec débris que vent était gaillé et puis vague la mer était montée main hauteur. Enfin, on s'attendait plus ou moins parce que c'était prévu quand même qu'il y ait des vagues de 5 mètres. Mais néanmoins, c'est la première fois que même en période cyclonique, enfin, lorsqu'il y a un cyclone, on a vu la mer aussi démontée que cela. C'est vraiment la première fois que ça se passe à Saint-Plus. Finalement, Beryl a tout emporté, comme vous pouvez le constater. Et là, il faudra plusieurs jours pour pouvoir remettre tout en état, surtout à l'aube des grandes vacances. On ne s'attendait à des dégâts, mais pas aussi importants. Regardez, tout le fond de mer est cassé. Dans le moment, autorité voyait un avertissement pour tempête tropicale pour Zile Saint-Lucie et pays Martinique. Autorité au bas avertissement tout pour tempête tropicale pour toute côte sud Haïti à sortir dans Punta Palenque dans la République Dominicaine, dans l'ouest là, rivé sous frontière Dominicani avec Haïti. Cyclone Beryl, qui toujours une tempête tropicale catégorie 5, t'assemblé dans le moment prend route pour pays Jamaïque, d'après Centre national cyclone américain. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Dans notre point cap de l'actualité, on a venu ici aux États-Unis, et bien, non, le président Joe Biden pas de mettre de l'eau dans la bouche, lui, pour lui critiquer décision que sur les États-Unis en prend, qui t'a exempté ancien président, yo, ou bien, ancien président américain, yo, contre poursuite judiciaire pendant le temps sous pouvoir, Sandra Le Maire. Dans le discours prononcé dans la Maison Blanche lundi soir, Biden critiquait décision Cour suprême n'en prend qui bail Trump avec l'autre président immunité, c'est-à-dire protection contre accusation la justice. Biden dit peuple américain a gain droit qu'on ait rôle Trump t'a joué dans révolte 6 janvier 2021. Probablement ça pas fait pas avant élection. I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years. Les dis-moi qu'on aime pas respecter les limites pouvoir présidentiel là. J'en me fais ça pendant 3 ans et demi mandat moins. Mais n'importe président et Donald Trump là-dedans prend libre qu'on pour pas occuper loi pays à du tout. Juge Sonia Sotomayor publiait une opinion contraire à la majorité 6 juges qui votaient pour dire président yo jouit immunité pour quelques parmi ça qui opposaient dans le cadre de travail présidentiel. Il dit décision majoritaire permet au président tourner un roi qui pire passer loi pays et que décision limitée accusation de la justice lancée contre ancien président Donald Trump pour l'été joué dans l'émeute 6 janvier 2021.
2021 ak j'effort pour renverser résultat élection. Li di décision qui pral probablement éliminer possibilité pour procès Trump la dérouler avant élection novembre nan, complètement indéfensible. I concur with Justice Sotomayor's dissent today. Li di mwen d'accord ak sa juge Sotomayor di que toute utilisation pouvoir officiel vle di président c'est un roi qui gen plus pouvoir passer la justice. Li kren pou démocratie, li di. Et li di peuple américain dwe kren tout. May God bless you all and may God help preserve our democracy. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous parlons dans le pays d'Haïti, côté un ancien parlementaire haïtien mandé ou bien encouragé et force police nationale là, force police internationale qui est Kenya dans tête li, et puis au travail ensemble avec police nationale là pour capable garantir sécurité population hein, ou dans tout ça. Youn nan point qui kembe actualité en Haïti, c'est question qui gère rapport avec policiers kenyan yo qui commençait débarquer dans le pays d'Haïti dans cadre mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, côté débat continué à fête sous question ça. Ancien député Deus de Honnête qui baille opinion sous sujet ça dit, lui saluer des marches là. Lui fait connaître, c'est vrai pays d'Haïti besoin d'une force internationale pour aider PNH rétablir l'ordre et la sécurité, mais lui dit, c'est pas solution à ça. On besoin rentrer dans la production, dans l'industrialisation d'Haïti, pour nous créer emploi, pour nous créer conditions pour moun en Haïti vivre dans le monde, pour chaque haïtien qui a mangé, boire et dormi en paix, laisse ça diminuer la question insécurité. Deus de Honnête qui gagne un doctorat en économie, critiqué salarié, le leader politique traditionnel, lui estimé qu'il n'a pas fait rien en termes de développement durable dans l'intérêt collectivité. Classe politique traditionnelle nous gagne là, qui formait pour la plupart des leaders transactionnels, des mouns qui pas gagné un projet qui marie, qui m'a connu tout haïtien ensemble, yo, ça vient faire que nous perdons autodétermination, nous, comme peuple. Autodétermination, nous, qui, kembeyan dan, ça nous relève la souveraineté, nous hypothéquons parce que, justement, nous gagnons paquet de leaders transactionnels. Et c'est wall aussi ces problèmes sous gouvernance là pour nous remplacer leaders transactionnels yo par des leaders transformationnels qui ont un projet pour les nous al parler avec nos amis à l'international, nous pas parler de aide, nous parler d'investissement direct étranger, nous pas parler de kembe menou, nous parler de possibilités pour nous venir investir ensemble, pour nous faire l'argent ensemble, nous parler de possibilités pour nous exploiter Haïti ensemble parce que Haïti son patrimoine pour le monde entier. Pendant ce temps, bande armée yo continue simer la terreur en dans différentes communautés, notamment près des bouquets qui na direction S Port-au-Prince. Ou na Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. N'a quitté Port-au-Prince, n'a fait un vol, nous pral tomber justement dans Kenya côté police et population locale là prend la rue surtout dans Nairobi pour protester contre pouvoir en place là. Nous va jeune gentil Augustin pour plus de détails. Manifestation déroulée dans capitale Kenya Nairobi, jeudi mardi 2 juillet 2024 là, Jean Saat est annoncé dans match dimanche 30 juin 2024 là. Manifestants qui t'ap exprimé colère yo pour augmentation taxe yo, t'es fait une démonstration accès kay vide. Mandé pour la police suspendre utiliser trop force pendant manifestation yo. People are dying on the streets and the whole thing moun you can talk about. Dans la ria, et puis lui a parlé de l'argent. Nous pas l'argent. Nous c'est moun. Nous c'est humain. Et lui doit prendre soin peuple li. Parce que s'il pas capable prendre soin peuple li, nous pas besoin li sous chaise là. Yon jeune femme qui te gen rad li mouillé à glou pendant li te chita sous trottoir, te blessé dans tête. Yon groupe moun qui te bon côté, t'ap essayé siyé sans sou li. Yon l'autre côté, plusieurs manifestants t'ap pote yon jeune garçon nan yon camion ambulance. Manifestant sa, di li vin poteste pou pitit li yo. I'm protesting for my kids. Mwen ap poteste pou pitit mwen yo. Génération Alpha. Et mwen te grandi nan pè président, moun ke vote mwen engagé et ke vote mwen kaviri. Ki donc,
Routo ta doué konnen ke nou revoke li. Routo ta doué gade drapeau nou an et puis réaliser ke gen yon raison ki fè nou gen yon ban rouge. Ban rouge sa c'est pour san Kenyan yo. Et si li pare pour faire san nou koule, nou pare pour nous camper devant li. Manifestation anti-gouvernement nan Kenya te gaye nan ville Mambosa mardi 2 juillet 2024 la. Pendant tout mécontentement contre administration président Ruto wa a continué augmenter. Manifestants yo te prend la rio. Yo te pote pancarte ak message tan kou. Logement abordable pour tout Kenyan. Ki reflete frustration publique ak situation actuelle la. Parti opposition Kenya, Orange Democratic Movement, ODM, fait une réunion comité central jodi mardi 2 juillet ya pour parler sous crise qui a continué dans le pays. We consider this to be Kenya's last best chance. Nous considérons ça comme dernier pi bon chance Kenya gagné. Jeune yo bay pays nouan dernier chance li. Soit nous prend li et puis nager avec nan appliquer toute revendication yo, ou soit nous ignorer li et puis couler pays à net. Et li te continue pour le dire. The Kenya Kwanza regime. Régime Kwanza Kenya doit prendre toute responsabilité pour tout monde qui mouri, blessé et puis destruction propriété qui sorti dans opération violent pendant manifestation pacifique yo. Police anti-révolte Kenya te tiré gaz lacrymogène sous manifestant yo nan Nairobi jodi mardi 2 juillet ya. Même mouvement protestation an, ki pa gen aucun leader officiel et qui organisé largement à travers réseaux sociaux yo te rejeté appel ou te lancé pour dialogue. Même après l'été abandonné, proposition augmentation taxe qui t'est déclenché événement yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Non, moi, non, yon, secrétaire d'État américain Anthony Blinken parlait pour dire que proposition président Joe Biden fait pour mettre fin dans la guerre marinéen sont propositions qui réalisables. Cependant, demandé pour l'idée à Massieu accepter proposition ça, Serge François Michel. Blinken souligne l'importance plan pour après-guerre, pour rebâtir Gaza et pas quitter vide dans sécurité sous territoire. Pendant tout Israélien continue à entrer plus fort dans Gaza pour chercher militants, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé à Yélen Dion qu'il est presque fini d'éliminer la capacité militaire Hamas. Il est avancé sous dernier étape dans l'élimination de l'armée terroriste Hamas là, et nous pourrons continuer à frapper le restant groupe là. Annonce a fait de moment le secrétaire d'État Anthony Blinken dans une interview dans l'institution Brookings dans Washington, derrière les leaders Hamas. Vous demandez accepter une proposition de la paix en plusieurs étapes qui sous table négociation kounye. I think the proposal that President Biden put forward is achievable. Lizim pense que la proposition président Biden présentée est réalisable et c'est la meilleure façon pour nous avancer. Moyen plus rapide pour mettre fin à un conflit à Gaza, pour mettre fin à la violence là, pour porter en pile assistance, pour mener tout le monde tourner la caillou parmi les otages américains. Il y a un Palestinien qui voit la ville changer pour le monde qui fait ça. Yo, rendre compte, c'est Dr. Mohamed Abou Selmia, directeur de l'hôpital Al-Shifa, joint liberté bonnet à Yélen Dion après Palestinien qui a été kembé l'ambacode depuis le mois de novembre. We were subjected to severe torture. Les inno sibi gros ak maspinay et au cassette droit moi. C'est plusieurs fois au bac moi en tête à côté moi saigné plusieurs fois. C'est presque chaque jour était torturé dans prison israélienne. Service prison israélien dit journal Washington Post li pa au courant zak maspinay selmi a parlé à li dit prisonnier au gain droit pour te plaindre que autorité a examiné en campé l'attention. Troupes israéliennes te fait descendre de lien dans l'hôpital Al-Shifa. Passé, peut-être soi-disant militant Hamas a servi à clic comme une sainte commande. Responsable de l'hôpital Layo démenti l'accusation de ça. Mais il a été la en ce moment a fait 50 Palestiniens qui ont été retournés à Gaza pour traitement médical. Serge François Michel, VOA Creole. Dans l'autre programme de mon actualité, avocat immigration Nadine Gédéon
apporter précision sur confusion qui semble gagner dans le nouveau programme TPS que l'administration a lancé ça pas longtemps et qui entre en application à partir de lundi 1er juillet. Côté que immigrants qui bénéficiaient ou gain confusion pour connaître qui ça veut faire exactement dans qui catégorie que y est et si catégorie a est capable appliquer pour programme TPS là. Nous t'ai parlé avec Nadine Gédéon. Si vous faites asile déjà, vous avez le droit d'appliquer pour TPS parce que deux dossiers sont différents, vous êtes capable de faire chemin parallèlement. Donc, moi, je toujours recommander que les clients soient pour être capable de joindre plus de protection que possible. Parce que l'offre pour asile, ou pour qu'on ait protection, ou un statut qui pendant. Donc, et les cas dans le temps pour prendre une décision sur asile. Donc, en attendant, on a besoin d'autres protections. On a le droit d'appliquer pour TPS ou pour prendre une protection TPS dans tout. Pour les gens qui sont sous déportation, par exemple, qui sont déjà devant le juge n'a pas demandé asile là. Donc, on a pratiquement ou bien techniquement sous déportation. Est-ce que les gens sont capables d'utiliser ou bien encore bénéficier de TPS là? TPS là, a une grosse variété de protection. C'est ça qui fait c'est une protection qui est importante, qui permet de ces deux mondes qui couvrent en bas, qui ne peuvent pas couvrir en bas d'autres statuts. Et par exemple, un monde qui vient en ordre de déportation, gagne de statut, monde ça pas gagner. Cependant, TPS là, il couvre tout le monde ça. Seul monde que TPS n'a pas prouvé qui ont ordre de déportation, c'est monde qui te gagne en déportation en absence. Ça veut dire qu'il pas participé dans et tribunal, dans audience tribunal li, qui te raté audience tribunal li, côté que jugement ba yon ordre in absentia. Moun sa yo, malheureusement, la loi dit qu'il est pénalisé pour 10 ans et yon pas ka y rempli, yon pas ka joindre certaines protections. Li liv en bas la loi immigration. Mais moun sa, sou sa te rive ou gen 10 ans passé, ou ap gen chance pou ka aplike pou TPS. Madame Nadine Gédéon, une autre question qui gen encore, c'est moun ki entre sous programme humanitaire Biden. Et yon même tout, yon vin non programme spécial tout. Et son pratiquement programme 2 ans lié. Question sa li gen li intéressant parce que nous connaissons moun Biden yo vini au fur et à mesure, nous gen moun qui te vini et en janvier 2023 et nous gen moun qui fait criver, pas vrai? Donc conseil moi c'est que président Biden pas annoncé extension pour rôle pour moun qui te la yo qui parole pa expirer en 2025. Donc nous pas connaît si la permet et moun sa yo renouvelé pour yo et l'autre danger qui gen ka gon nouveau administration qui rentre en 2025 qui ont et pas trop aller dans le même sens avec administration Biden nan, qui ken doit retirer et programme ça complètement et qui ken doit pas permettre moun renouveler pour yo. Donc conseil moi avec analyse que me fait c'est sou capable appliquer pour TPS ou qualifier pour TPS et fil TPS parce que de toute façon nous ka wè TPS pou ni a recevoir et a pou bon notice après 15 18 mois donc et en pile moun pou li a bien expiré avant et 18 mois ça arrivé et deuxième catégorie moun sa tout qui est encourager faut que fait TPS c'est moun par exemple dans et période autorisation de travail. Non, on l'autre point qu'on a dit, nous t'attendons, madame, en fait, avocat immigration, Nadine Gédéon, qui t'a fait peut-être quelques clarifications pour nous, surtout sur le monde qui gagne dossier de déportation, le monde qui peut appliquer pour asile, et puis le monde tout qui est entré dans le programme humanitaire Biden, dans tout. Et puis leader communautaire haïtien dans Miami, Floride, organisé une rencontre, brasser l'idée pour sensibiliser les immigrants sous nécessité pour participer dans la prochaine élection et américaine, on n'a pas élection novembre 2024 là, nous pas joindre et juste de rentrer. Alors, là, on parle des immigrants, c'est les immigrants qui ont droit voter aux États-Unis, c'est citoyens haïtiens, américains, par exemple. Nous pas juste de rentrer pour plus de détails. C'est sous l'obédience Haitian American Democratic Club, menant main avec diverses autres organisations, Mac Fabrique démocrate, que une réunion stratégique pour intégrer haïtiens en Floride, puis plus dans la vie politique dans le pays américain,
tête en main dans multi-purpose center qui dans ville de Vie. Réunion était déroulée en trois étapes. Dans premier partie, Congress Women, Sheila Sherfilus McGormick, t'a fait une intervention sous vidéo, côté t'a invité audience pour enregistrer pour voter et supporter candidat démocrate qui prend l'élection. Dans deuxième partie réunion, invité ont été divisé en quatre groupes de travail. Désinformation, développement économique, immigration, justice criminelle internationale. Dans troisième partie réunion, chaque groupe de travail t'a délivré résolution qui prend pour intégrer Haïtien Piplis dans la vie politique État Floride. Rod Joseph, candidat pour sénateur, t'a partagé dans micro VOA Creole ça qui t'a débat dans le comité justice criminelle internationale. Et il y a trois questions qui sont posées. Est-ce que vous devez porter une charge contre les crimes contre l'humanité, contre ce qui passe en Haïti? Et puis, comment vous initier une campagne de, pour arrêter les gens qui font gaspillage de l'argent? Et puis, troisième question, c'est comment vous avez nécessité pour empêcher arrêter les gens pour impunité, qui ont impunité et puis qui ont corruption? Dans le comité qui a travaillé sur des informations, Guirtel Nicolas a expliqué l'impact social média qui gagne de l'épabaye bonne nouvelle. Dans le comité immigration, Ronald Surin a débattu l'importance opportunité haïtienne gagnée à TPS plus programme Biden. Dans le comité développement économique, là, c'est l'importance enregistrer business haïtien avec l'État qui a débattu. Dans le finissement réunion, nous avons pris opinion quelques participants, parmi eux, Emile Dominique, qui seulement gagne 8 jours dans l'État Floride. Moi, j'ai gagné 8 jours. J'ai fait 8 jours depuis que j'étais à Haïti, dans le programme Biden, non. Moi, qui suis dans un pays américain. Qui opinion de meeting vous avez participé là? Belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille. On s'en dit là, je suis dans un pays, je vais participer. Moi, je viens dans un pays américain, puis je vais participer dans un grand compte. Ça m'a appris, non. Bon, on sait que je ne connais pas, même si je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas l'écrit, je ne peux pas comprendre. Oui, je ne peux pas comprendre, mais je ne peux pas comprendre. Bon, moi, son bail qui est bien passé, pratiquement son bail est très très positif, c'est à faire. Parce que dans la communauté, c'est ça que nous besoin. Et ça, nous besoin, c'est tête ensemble, ça que nous besoin, c'est le monde qui prend responsabilité, nous mettre tête ensemble pour nous faire bailler au marché. Parce que très souvent, mon priorité n'a pas fait rien, et puis au besoin que la manne soutient tomber du ciel. Il faut soutenir voter. Parce que l'on vote ou pas voter pour vous seulement, on vote pour petit tout et petit petit tout. Et c'est ça pour nous faire passer. Dans la réunion avec divers leaders communautaires pour intégration haïtienne en vie politique des États-Unis, non pas, c'est Jude Onsé pour VOA Creole, ville de Vie, État Floride. Opération nettoyage dans la capitale haïtienne à Port-au-Prince, Yves Manuel. Mairie Port-au-Prince lance une vaste campagne nettoyage pour capable propter commune. Lundi 1er juillet, service voirie nettoyer divers quartiers dans Port-au-Prince tant que la lue, canapé vert avec boudon. Opération ça après possible dans l'autre zone dans capitale là selon autorité la mairie. Administration communale là monsieur Luxon Janvier a dirigé déclarer la guerre à question fatra qui nuisible à santé population. Mairie a travaillé sans prendre souffle pour ébailler ville visage d'antan. Campagne nettoyage ça, il la donne collecte fatra, ramassage déchets dans la rue, débouchage caniveau côté à nettoyer caniveau pour éviter inondation et puis on volet sensibilisation côté à informer citoyens sur importance pour kembe propreté dans environnement yo. Monsieur Janvier souligné engagement administration lan pour collaborer avec communauté a pour créer un environnement qui sait côté moun a capable vivre. Objectif la mairie, c'est rendre Port-au-Prince propre et agréable pour vivre pour tout citoyen qui habite dans la région. Magistrat invite chaque citoyen pour participer activement dans la campagne ça et adopter comportement responsable vis-à-vis environnement. Mairie Port-au-Prince demande coopération tout citoyen pour kembe quartier yo propre et corriger fort communal yo. Il y a divers points collecte qu'a bien pour mettre à disposition citoyen yo, sans compter équipe qui va le déployer pour assurer suivi et efficacité campagne ça. Moi c'est Yves Manuel de Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis Haïti prend tête une district dans Otay Club. Gérard Maxime pour plus d'état de ville Cap-Haïtien. C'était belle ambiance samedi soir dans la première plage dans la ville Cap-Haïtien. Dans le moment côté ancien gouverneur district 70-20 pour année Otari 2023-2024 ans, David Kirkaldi, Théroumène Collier gouverneur, par nouveau gouverneur d'Israël, Dominique Bazin, première femme haïtienne qui arrivait dans le grade ça dans Otari. Nouveau DGA, Madame Dominique Bazin,
qui t'a parlé avec VOA Creole expliqué priorité le pral la paix. Ma priorité, ce sera la paix. Une paix inspirée par ce qui se passe dans notre pays vit un moment très dur, un moment que nous n'avons jamais connu. Et donc, inspiré de ces problèmes que nous vivons, nous allons nous battre pour la paix. Nous allons demander au club d'encadrer les jeunes, d'encadrer, de faire vivre des moments de solidarité à tous ceux qui en auront besoin. Puisque nous sommes là pour servir, nous sommes dans l'eau et noir, nous sommes dans l'éducation, mais cette année, je veux que nous nous penchions sur la paix et avoir des projets où nous pouvons nous unir pour marcher la tête haute et sans conflit, on espère. Bon côté parle, gouverneur sortant, David Kirkaldi, annoncé, lui prête pour travail avec nouveau gouverneur d'Istria, Dominique Bazin. Moi, pas attendre pour le travail avec le nouveau gouverneur de Sia, Madame Dominique, en tant que lui-même la prend il faut pour tout le monde pour que les Rotary capable de travailler pour faire promotion la paix à résolution conflit. Il y a une façon pour que l'incroyable beauté naturelle absolue et chaleur peuple haïtien toujours exprimé et pendant visite, moi, capable de vivre par un pile l'autre monde un peu partout à travers le monde. Il y a un bagage qui est dans l'actualité et qui se passe souvent, ça qui n'a vie en personne lorsque nous venons dans le pays d'Haïti. Moi, je pense que tout Rotary haïtien a gagné l'opportunité pour servir à Nessa et moi, je connais que nous avons travaillé très dur pour nous soutenir, nouveau gouverneur d'Istria, Madame Dominique. Rotary était sorti tout partout dans le pays à te répondre présent dans l'occasion dans la ville cap-haïtienne samedi soir. District 70 20 dans 10 îles parmi eux Haïti, Jamaïque, Bahamas, îles Caïman, îles Vierges Britanniques et Turks and Caicos. Ça fait 4e fois que Haïti prend leadership district ça. Dernier gouverneur haïtien district 70 20 c'était docteur Robert Léger dans l'année 2017-2018. Gira Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Non, mais football, bah ouais. En tout cas, bon, États-Unis qui a participé dans la Copa América, bon, et monsieur Yossouti, je ne sais pas, la petite porte. Entraîneur Greg Berhalter, bon diable. Monsieur, vous connaissez la responsabilité à sous entraîneur le bal n'a pas marché mal. Et États-Unis, tout, après, c'est une pays qui a accueilli et Coupe du Monde 2026 là, donc il dit que faut équipe l'a bien préparé. S'il va traverser phase de groupe là, donc en pile question qui vous posez tout pour équipe là dans l'ensemble, puis entraîneur en particulier. Et puis dans Coupe d'Europe des Nations, dans Coupe d'Europe Euro 2024 là, et bien, mes amis, Portugal passe à côté, on les fait, oui. Ronaldo rate une pénalité, mais chance pour lui, match à la prolongation. L'équipe Slovénie a tombé, l'équipe était bien organisée. Eh bien, Slovénie, Kimbela, il va aller dans la prolongation. Eh bien, là, il avait sorti de pénalité. Eh bien, ils ont bah, mal passé pour eux. Gardien, Portugal, et Kimbé, 3 premières pénalités. Et que l'équipe Slovénie a été écrite. Donc, monsieur a marqué 3 goals par eux. Parmi Ronaldo ouvert fait là. Donc, Portugal qualifié. Donc je dis à Guinée Brésil qui a pu tout. Nous rappelons que l'Argentine déjà qualifié déjà. Guinée Canada qui est dans la région Panoua. Canada qualifié pour quart de finale. On a parlé de Panama qualifié tout pour quart de finale. Eh bien, je dis tout le monde merci. Franklin, c'était ingénieur de son nom. Jean-Marc Hervé a été nous mettre son dans l'air. Eh bien, tous les amis nous qui étaient là. Eh bien, c'est Kim qui est là. Je dis à eh bien bon. Tous les amis nous qui aidé nous mettre là. Gentil Augustin, Sandra Lemaire et tout le monde qui était là qui participait dans l'émission. Ça, une façon on l'autre de loin ou de près. Merci un pile. Bon après-midi. Jacques Lap tourne demain. Alors, côté que équipe bandit et les 103 zombies qui fait partie équipe criminelle en dedans organisation criminelle vivant ensemble. Monsieur 103 zombies, ça yo, après avoir fin envahi commune Gressier, commissariat Gressier. Pour une deuxième fois, ils entrer en un commissariat. Vraiment, m'apprendre que police secteur en un commissariat. Bon, ils pas vraiment qu'à répondre. Ils pas qu'à repousser bandits. Ils étaient obligés
retirer corps pour pas victime. Et nèg te rive entré, et te vidéo que nèg te mette dehors dimanche 30 juin yon, côté que ki bon ti vagabond à sa patte, ou ki bon ti vagabond de tourni, ou ki bon ti vagabond soué, et lèm ti vagabond, c'est parce que yo c'est des vanipiés, yo c'est des opprimés mal orientés. Que de oligarques corrompus, de monde dans le secteur privé, de monde dans la classe politique, là, de monde dans la société civile, là, de monde dans les droits humains, de monde dans la diaspora, ils ont décidé de mettre des âmes dans mes jeunes garçons, ça, dans l'intérêt pas, yo, et je dis, jeunes garçons, ça, tourné de dinosaures, tourné de scorpions, ils ont piqué même monde qui semblait avec eux, ils ont touillé même monde qui semblait avec eux. Donc, je dis, là, les que nous gardons ça, là, comme situation, ils encore à demander, l'État dégage pour mettre autorité l'État devant. Autorité qui l'a yo, Jean que PM Gary Koni te dit là. Dégage nous pour que nous mettez autorité l'État devant. C'est pas mandé pour demander bandit déposer les armes et reconnaître autorité de l'État. Nous devons faire bandit sentir autorité l'État. C'est bien samedi, hein? Nous devons faire bandit sentir autorité l'État. Pas mandé bandit déposer les armes. D'ailleurs, il n'y a pas de déposer les armes. Et yon prouve qu'il va déposer les armes. Donc, je dis là, n'a dit que, à la guerre comme à la guerre, autorité à travers la police, là, ou état-major de l'armée, gouvernement et conseil présidentiel, yon doit passer à l'action. C'est vrai d'apprendre que la police et ta rivière l'autre bois, yon ta repren contrôle commissariat. Mais l'emdan de agent exécutif intérimaire grecien, monsieur fait qu'on est que, dans l'attaque menti armée, yon il y a plusieurs monde qui sont victimes. Et t'as même des monde qui mourent même, selon agent exécutif intérimaire, comme une grecien. Est-ce que l'autorité nous yo a quitté que bandi yo continue à imposer pour royo? Est-ce qu'on a quitté bandi yo fait ça oublier en notre pays? Je dis à bandi yo que pour reconnaître l'autorité de l'État, les qu'on commence à mener opération dans base yo et commencer à sentir que nous pas venir jouer avec eux. Autorité dans le pays Kenya ont démenti information qui t'a fait quoi que et met gagne des officiers kenyans qui t'a mouri en Haïti. Yo démenti baga comme ça, yo dit pas gagne baga comme ça, dit tout. Désirement les mon frère. La situation un grand plaisir pour nous rencontrer dans l'espace Calfou vérité pour continuer planter vérité pour amis internautes capables récolter et qu'on ait l'espoir pour retourner dans le pays d'Haïti. C'est eux même qui pour coller tête ensemble qui permettre au moins qu'elle vienne réellement vrai tant pour Jean en pile dans yo souhaiter là. Inspecteur général Jean et Mouxette qui Étienne qui pratiquement procéder avec installation un nouveau responsable dans ça dans quoi qui vient pour avec groupe d'intervention police nationale d'Haïti dans niveau et capitale pays nous a dit que commissaire ça lui remplacer et commissaire principal Richardson Mersan et qui transféré lui-même dans direction centrale police administrative pays d'Haïti. Ministre justice et sécurité publique là maître Carlos Ecule a annoncé que diverses gomezi PNH a prend pour permettre y aurait prendre contrôle situation dans commune Grecier à divers l'autre zone qui en bas. Désir Venesse collaborateur nous et changement opéré dans DDO 1, DDO 2 et changement à opérer dans de l'autre côté encore et par rapport avec Sanrele Ramon en mille qui besoin de regarder comment ça est. Madame, c'est Désir. Très bien. Banque interaméricaine pour développement promet à pays d'Haïti 40 millions de dollars américains pour annoncer là, c'est le premier ministre Gary Koni qui annonce ça sous compte Twitter et X pendant journée lundi 1er juillet 2024 là. Bon, c'est presque chaque temps, on dit, ah, l'argent, personne n'a pas jamais moi qui s'est réglé. Est-ce que l'argent, ça, quoi, ça prend le fond bagaille en dedans pays, c'est question que tout le monde a pu se poser. Jean-Francine, c'est non, un chauffeur, Tibis, qui fait trafic Port-au-Prince Jacques Mel, bandit grecier touillé et puis mettez du fait sous colis 1er juillet 2024 là, dirigeant association et propriétaire chauffeur d'Haïti, mais il changeait, qui confirme nouvelle là, il fait qu'on est victime dans Joanne, la molle dans le moment, il tape à faire route là, pendant que tu as réussi à faire route découpée pour au moins qu'elle t'a calmé quelques passagers à chercher côté la vie fait point. Tant que je viens de dire, il y a un nouveau et commandant installé dans tête JIPNH là, dans le niveau capital PIA, sous instruction, nouveau directeur général AIPNH, on voulait parler de Normil Rameau, inspecteur général, Jean et Mouxette qui pratiquement installé, et plusieurs dans le monde ont pratiquement apprécié d'autres regarder qui Jean, et est-ce que M. Sopral a bail résultat, est-ce qu'on que tout le monde a pris de temps, parce que la situation paraît très difficile dans le niveau capital PIA par rapport avec exaction gagneux et dans la ville provinciale, il n'est pas différent de la situation de côté. Depuis, dans le week-end, Bandi Gangrifio avec M. Dame, qui fait partie
coalition Jean-Denis a trouvé que dans le niveau Kafoupey et son situation qui paraît très 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 difficile. Dans la localité qui est le PRS dans la deuxième section communale de Rivière la Tibonite, situation a toujours été très tendue par rapport avec exaction que les nègres entendent, ils continuent à faire dans différents espaces dans le département de la Tibonite qui permettent que ensemble citoyens qui vivent dans le département, pas qu'attendent que la police prenne responsabilité pour mener ensemble opération pour démanteler le réseau criminel sans foi ni loi qui a opéré dans le département de la Tibonite qui permettent que les gens ne pas vaquer avec activité l'intervention bandit Kokoratsarasou qui dans la Quapéris et bandit Savien yo dans base Gangrif qui dans localité Savien pour section communale Tirivé la Tibonite qui fait ça ou voulez avec ça yopito divers mesures APC donc regarder bon côté divers ministres à travers ministère pour qui gens au cabran yo effectif parce que en pile fois gagne des gros dénonciations qu'a fait contre moun yo qui pratiquement dans ministère dans gouvernement qui était passé avant c'est pour ça population militant yo dit yo mettait mise en garde pour empêcher que quelque bagaille rive fait tant que ça t'était fait avant mais personne ça n'est pas nouvelle pour moun encore tout moun yo gagne nouvelle là tout moun yo gagne information à travers vidéo qui virale sur internet là bandi team 103 zombie et qui gagne bougoy qui semble qui dans tête yo et ben craser commissariat gressé avec yon pelle excavatrice qui était dans mer sous commande on nous disait sous commande Normine Ramo pendant monsieur dame et officier kenyan là nous pas connait qui ça passé qui ça a décidé est-ce que on va bailler une réponse proportionnelle avec bandi si là ou des personnes ensemble pour ça yo sans doute nous va regarder ensemble à inviter que nous ta de gagne avec nous et pour qu'on y a pas connait si invité à Paris, s'il est disponible, nous allons regarder la situation. Effectivement, je regarde avec invité. Je m'a demandé que André Raphaël gère lui beaucoup de temps pour moi, pour que ça puisse passer bien, mon frère. Gère ça pour nous. Parce que je me dis que c'est un métier très bien, ça me gère ça pour nous. Gère ça pour nous, André Raphaël, parce que il est vraiment dérangeant. Oui, ok. Je fais ça. Ok. Ou en forme, vous recevez très bien. Oui, très bien, je te reçois. Ok, André Raphaël. Récemment, nous avons raté l'interview parce que tu as un problème de communication. Nous retournons ensemble avec vous aujourd'hui, parce que là, nous avons parlé en pile causé. Et laissez-moi savoir, comment est-ce que mon frère? Comment ça va? Tu es en forme? Bon, nous là, nous pas malades, mais nous pas en forme, parce que la situation pays nous. Mais dans la bataille, nous inscrits dans un combat pour la participation par nous dans le changement Haïti. M'a dit que nous n'a continuer goumen moi profiter de micro pour moi saluer Peter Stone et m'a saluer des yeux et tout internaute qui branché mission ça qui grand pile fanatique son plaisir pour moi en nous garder ça non et André Raphaël moi connais ou Sénèg sud-est paysan alors mais du Sénèg d'Haïti mais sud-est c'est la caillou et m'a c'est pour faire comme si pour aller sud-est ça va aller prendre des soit c'est votre prince pour aller sud-est ou passer par et Matisse Fontamara Carrefour Mariani Gressier pour tomber la caillou de même soit retourner et je dis à André Raphaël là on garde on attendre et comment que monsieur alors gardi le bandit criminel et centime 103 zombies qui fait partie et et organisation criminelle vivent ensemble, n'est que décider d'envahir le commissariat agressé en deuxième fois, n'est que avec Pélix Savat qui s'en met, n'est que crasse le commissariat, ou même comme acteur politique. Qui ça ça dit? Comment vous prenez une création sur ça? Bon, de toute façon, nos situations de désordre total. Côté l'État, beaucoup capable de récupérer, ça me dit l'autorité de l'État. Et nous pensons qu'effectivement, la situation est déplorable et inacceptable. Il faut que CPA et gouvernement assument responsabilité, parce que son responsabilité qu'ils ont gagné, c'est pas le privilège qu'ils ont venu jouer en d'un pays, Ils ont compris la situation, depuis avant même, ils prennent poste. Si ils prennent poste, effectivement, faut qu'ils prouvent les capacités, pour qu'ils portent amélioration, pour qu'ils corrigent des dérives, des désordres en d'un société, qui est capable de permettre que, faciliter que Haïtiens, vaquer avec activité. J'en suis dit là, effectivement, moi, c'est mon nom sud-est. Je suis dans la section communale La Montagne. Ça va faire 2 ans depuis que je ne suis pas capable d'aller dans le sud-est. Pourtant, chaque week-end, je suis dans le sud-est. Ça veut dire, c'est une situation vraiment difficile. Même pas avion, je ne vais pas rendez-vous. Plusieurs tentatives que je ne vais pas faire. Je ne vais pas la situation que je pouvais me jouer aujourd'hui. Est-ce que pour même et André Raphaël, qui est mon cap dit que ça a passé là encore, et la commune Grecia, c'est vraiment yon calop marasa et pour arriver au conseil présidentiel, pour gouvernement Konilan et pour déchirer nouveau déchirer la police à Mounomil, parce que ça yo a passé sous et on dit que autorité, monsieur, ah, pas autorité, ça a passé sous l'administration de ça yo. Bon, effectivement, et passif là c'est pour yo, actif là c'est pour yo. Et c'est ce gouvernement qui a passé. Et ça fait, grande nécessité pour agir vite et agir bien
pour permettre que la situation qu'il a eu atteigner et permettre qu'il ait amélioré la situation. Parce que moi, pas crois que il était comprendre le problème, non? Il était comprendre avant qu'il propose la situation et pour la situation continuer à aggraver toujours. Il faut que des mesures drastiques qui prennent, des mesures qui prennent, qui pour corriger ensemble de ça qui n'a pas passé là-haut, pour nous faciliter la population haïtienne. Non, c'est pas de mourir. Et voyez des messages, liés messages, liés discours avec action. C'est pas seulement prendre de discours à la radio, mais c'est faire mariage en discours et action qui pour montrer que, effectivement, population à vos côtés, que le gouvernement ça pour aller et DCPA pour aller tout. Nous-mêmes, c'est une dynamique comme ça, nous inscrivons au niveau du MOPOD, parce que nous-mêmes, nous du côté de la population, nous pas du côté le fait que nous avons représenté dans la CPA, nous-mêmes, nous là, n'a pas accepté l'inacceptable. Tout ça qui fait en d'un pays qui est bon pour les Haïtiens, nous pas encouragé, mais tout ça qui n'est pas bon tout, n'a pas dénoncé et n'a pas demandé pour le corriger. Mais qu'on a demandé pour dénoncer, corriger, ça c'est une, mais insécurité à gain là, je te dis, hein, et conseil présidentiel, il a montré que il est conscient de ça gain là et il a capoté résultat ensemble avec lui. Et de même, PM Koni, qui lui même presque gouvernement, n'a pas presque pas le temps, qu'on s'appelle gain au mois. Et je te dis, on sentit que, monsieur, comme si on silence quand même qu'a fait là, est-ce que son silence complice beaucoup d'autorité, ou dis-moi, est-ce que c'est parce que il pas vraiment qu'on voit comment on est capable d'aborder la situation ça, et qui je dis, qui existait comme insécurité, hein, selon même, ça lié. Non, faut monsieur yo agir qui vous permettre que yo bay réponse à ça. Et effectivement, vous parlez d'un silence et si tu as un silence ça veut dire qu'on complicité et nous-mêmes nous pas d'accord complicité. Et grain bagarre qui vous fait dans accord politique toi avril là, effectivement gain de structure, gain de bagarre qui doit créer par rapport au Conseil de sécurité nationale. Je dis à Fonèg yo mettez ça sous pied qui pour réfléchir en plan de sécurité qui vous permettre que nous aller vite. Nous pas qu'à perdre du temps face à une population, je dis à cap dépérir, face à une population cap souffrir, face à une population cap souffrir, bon misère noire en avril. Nous-mêmes, nous pensons que gain de décision qui était grand à 4 avril là, faut monsieur mettre en application rapide qui vous permettre que je dis à sécurité à résoudre en avril. N'a dit clair, force internationale là. Il n'est pas venu pour résoudre lui aider par lui-même, par elle-même, parce que force là, il est venu pour aider la police. Premier bagaille là, on est État qui est souverain, son État qui petit les manger, son État qui sécurité en d'un pays. C'est-à-dire c'est la police et l'armée qui pour bailler signal, qui pour assumer yo, endosser responsabilité yo, les ça, force là capable à bailler aide par. Je dis à, faut que monde qui gagne responsabilité yo en d'un société a, yo assumer responsabilité yo et vous permettre que je dis à ça que là n'est pas là encore. Nous même nous clair, je dis à vie son bagage, d'adi son bagage sacré pour tout le monde. Et nous même nous avons un message que nous voyons. Effectivement, message là, je dis à si on nous pas nous comme si je dis vie à sacré et ça qui là, son bagage qui typiquement social et moi même chaque jour que m'a constaté yon ti jeune garçon qui gagne zame nan men de 14 ans, de 15 ans, c'est parce que bon l'État est inexistant. On toujours dit, et j'assume. Et parce que, jou l'État, son l'État responsable, l'a créé condition pour ti moun sa ou pa gagne zame nan men yo. Deuxièmement, effectivement, moun ki gagne zame yo, c'est des moun ki yo. Yo gon vu tout. C'est vrai, yo fait des autres qui nous-mêmes, nous pas piller des autres yo. Mais, je dis à, bon façon pour nous résoudre problème sa yo. Résoudre problème yo, c'est pour l'État, jouer nos familles. Et vous permettre que je dis à de moi qui gagne zam nan men yo, effectivement, c'est à la justice pour y aller répondre quelque chose à yo. Moi-même, je pense que je dis à gagne des travail en profondeur que vous faites, qui vous permettre que dans 2 ans, dans 3 ans, Peter Sean, ne pas retourner dans même l'obéi ça à nous là. Et pour ne pas retourner, faut que nous soyons l'État souverain, faut que nous ayons une population à manger, faut que nous ayons assumé responsabilité nous en termes de politique sociale. Faut, disons, faut l'État aller dans la section communale yo. Pour nous poser problème de centralisation, pour l'État dans le quartier populaire, pour l'État pour l'école, pour nous combattre la corruption. Tout. Parce que je ne sais pas ce qui est là, je dis à c'est corruption. Corruption, c'est aucun grain qui est dans la société qui fait, je dis à pas l'école, pas l'hôpital dans le quartier populaire, qui crée pas que Timoun Sayo qui crée une délégation, je dis à. Ou l'État lui-même qui vient jouer le rôle premier de autres. C'est l'État ça qui doit changer. Et nous-mêmes, et ça fait une bagaille qui fait nous pas participer dans le gouvernement.
Ou nous dit, nous pas participer dans le gouvernement, parce que à quoi 3 avril là, tu peux voir qui vient pour nous participer dans le gouvernement, nous pas appliquer à quoi. Il y a des gens là qui ont des postes dans l'État, des ministres qui ne peuvent pas nous voir lui-même. L'autre ministre de défense ne peut pas même nous voir lui. C'est le monde qui prend comme 10 amis. Je dis, nous pas qu'à faire l'État à tourner au népotisme. C'est-à-dire, faut que dans la transition, nous avons de véritables gens qui sont capables de réfléchir et porter solution à problème dans la vie, je dis. Nous-mêmes, nous ne pas participer dans le gouvernement. C'est par rapport à bagaille ça, nous disons, nous ne pas participer. Mais de toute façon, c'est complètement fait du bagaille qui est bon, mais s'il fait du bagaille qui est mal, tout n'a pas dit. Bon, de ça. Moi, question, moi, qui est déjà avancé, mais il y a deux questions que je vais poser là qui peut-être différent, qui parlent de même et caricature même groupement. Et premièrement, montrer que, ou même qui c'est Next Sud-Est, j'aime dire le commencement et émission, et ou gagne, ou pas qu'à traverser Grand Sud là. Et ou clairement confirmé pour nous que ou censé dans deux l'année là ou pour jamais traverser à Jacmel, ça veut dire ça montre clair que si ou même au Port-au-Prince ou pas traverser à Jacmel et diaspora haïtien lui-même qui pas garantie que là pendant la descente en Macaï au point international la que bandi apprendre et dans en pile dans diaspora qui c'est mon sud-est qui pour arriver Port-au-Prince et puis après ça pour aller Jacmel et ou bien sud-est dans pays dans province et département, ça encore pas plus compliqué pour eux. Là qui soit qu'a dit avec moun sa les qui autant ou même qui se porte qui Haïti et qui porte presque qui bacal sud-est et ça dit qui ça est-ce que yo me perdi l'espoir ou dit est-ce que me garantie ça c'est pour première question. Deuxième question m'a posé ou dit que mon porte pas dans gouvernement mais mon porte dans conseil là elle dit mon porte pas dans gouvernement mais mon porte dans conseil là pour qui ça parce que dans le collectif 30 parti 4 janvier, yo, mon porte c'est une partie qui est en dedans collectif là et c'est collectif qui baille Edgar Leblanc.